Donc si je crée un nouveau processus, donc là, c'est bon, j'ai pas de petite erreur. Donc je me dis, bon, ben, je vais mettre une deuxième petite boîte, je peux tirer comme ça. Ok, c'est une tâche, mais pas exécutée par un humain, par un service qu'on va peut-être connecter plus tard. On va dire, je vais la transformer en tâche humaine. Ah, problème rouge. Bon, ben, je m'arrête, je ne vais pas continuer. Il n'y a pas d'utilisateur. Donc maintenant, comment est-ce que je gère l'utilisateur? Donc il faut aller explorer. Qu'est-ce que j'ai comme menu à disposition? Sous général, bon, task, human task. Là, je peux changer les types. Non. Avancer, non. User XP, pas vraiment. Data, ah, visiblement, il y aura quelque chose pour associer des données. Acteur, ah, là, il y a acteur. Donc là, c'est quoi la différence entre celle-là qui a le point rouge et celle-là qui n'a pas de point rouge? Ah, il y a initiateur qui a été ajouté automatiquement et pas dans l'autre. C'est comme ça qu'il faut explorer le programme et puis voir qu'est-ce que je peux en apprendre. Donc, OK, je peux ajouter l'initiateur si j'ai envie. Faire ça à chaque tâche, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, il y a peut-être une solution plus optimale. Donc, on a dit qu'on pouvait aussi associer un acteur à un pool. Donc, si je mets un pool, voilà. Mon pool. Si mon pool, j'ai la même case, donc là, je peux choisir initiateur. Et puis, il y a tout qui disparaît parce que l'initiateur, maintenant, est appliqué automatiquement à toutes les tâches qui sont dans le pool. J'ai réglé mon problème. Je peux vérifier si ça marche. Je fais run. Vu qu'on a lancé une fois l'user XP, ben, ça se lance assez rapidement. Donc, step 1, je suis au step 1. Je fais submit. Hop, je suis bien arrivé au step 2. Je fais submit, ça devrait se terminer. Ça se termine. Ça me dit aller sur le user XP. User XP, c'est le lien en haut à droite ici. Et puis, on arrive dans cette interface qui est expliquée par UserGuide. Je vais voir mes cases, est-ce que ça s'est bien déroulé? Donc, il n'a pas d'ouvert, mais je vois qu'il y a un menu déroulant pour voir les anciens. J'ai mon process 2, je vois bien que j'ai traversé les deux étapes et puis que ça a marché. C'est vraiment comme ça qu'il faut tester et explorer. Donc, maintenant, je sais que je peux passer d'une boîte à l'autre. Une fois qu'on a fini avec le Quick Start Guide, il faut passer au User and Reference Guide et puis là-dedans, chercher... Si on a un problème, donc là, typiquement, qu'est-ce qu'il y avait? Je cherchais un truc par rapport aux acteurs, donc je cherche acteurs. On nous explique bien qu'est-ce qu'est l'initiateur, comment est-ce que je pourrais chercher autrement les acteurs, ou bien, si on regarde un peu plus loin, on nous explique qu'on peut aussi associer un utilisateur individuel. Il nous donne l'exemple de John, ou bien justement, comme on avait vu, admin par défaut. En fait, ce John, il apparaît d'où? Ben, on peut aller regarder dans le User XP. Donc, si je retourne sur mon User XP, j'ai la partie administration. Si j'explore ça, je vois que là, j'ai des utilisateurs. Qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, ce qui existe déjà, c'est admin, Jack, James et John que je peux utiliser ou bien je peux en ajouter des nouveaux. Des nouveaux, donc ça, pour savoir comment ça marche, je peux aller dans le User Guide. Puis je cherche comment j'administre mes utilisateurs sous le User XP et puis ça devrait être documenté. Puis c'est là, ah, j'ai rien inventé, on nous a bien tout expliqué. Donc la documentation, même si on a dit qu'elle est un peu lacunaire, elle est quand même là. Il y a aussi là, ah, qu'est-ce qu'il y a? Si on se délogue, ah, admin, le mot de passe c'est quoi? C'est BPM le mot de passe. Il faut lire la documentation, c'est très utile. Et puis, il n'y a pas besoin de tout la lire, il y a 140 pages, il faut juste savoir chercher dedans pour trouver ce qu'on veut rapidement. Donc ça, c'est pour les utilisateurs.